πολλά. Humilierons ta présence, nous sommes là. Mes frères et moi, mon Dieu, oui, nous venons. Nous voici devant toi, mon roi, nous sommes là. Adorons. Adorons le roi des rois. Tu désires que tes enfants t'adorent toute leur vie. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous venons. Oh mon roi, Seigneur, nous sommes là. Adorer. Oh Seigneur Jésus, nous sommes là. Adorons. Adorons la gorge.
Μόνο. Oh,
adorago are dio o que se ia dio e ara sa de boa de mo are dio adorago are dio adorago are dio adorago are dio modelio o modelio Je proclamerai son nom, à tout j'irai, 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 partout là-bas, nos filles dit que Jésus est roi, oh, je proclamerai son nom, partout où j'irai. Alléluia! Tu iras dans ton village, que tu dis à tout le monde, à tes parents là-bas, que Jésus t'a sauvé, je proclamerai son nom, je proclamerai son nom, et là-bas en Chine dit aux Chinois que Jésus est Seigneur, oh, je proclamerai son nom partout où j'irai. Oh, partout où j'irai, je proclamerai son nom partout où j'irai. Yo, yo, là-bas, là-bas j'irai, là-bas, là-bas j'irai. Oh, la go, 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 la
du verset 1 au verset 3, tout le psaume en fait qui dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères, on peut ajouter les sœurs, parce qu'il s'agit de toute la famille de Dieu, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile sur la barbe. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Oui, ce matin, nous l'avons expérimenté, soit en observant, soit en y prenant part. C'est la joie qui nous étreint dans cette maison de Dieu. On l'a vu avec les frères et sœurs qui n'ont pu s'empêcher, soit sur place, soit dégager de l'espace, de s'adonner à la gloire de Dieu par des pas de danse, par des phases. Vous savez, on a trop dansé pour le monde. On a trop dansé dans le monde. Aujourd'hui, il est temps de danser pour le Seigneur. Oui. Parce que la danse que nous exécutons ici est une danse qui est différente dans sa qualité et dans son caractère. C'est une danse qui est faite pour adorer le roi des rois. C'est une danse qui se fait au grand jour, dans la lumière. Ce n'est pas une danse qui se fait dans le confinement des boîtes de nuit, dans l'obscurité. C'est une nouvelle danse. Une danse. Ah. Oui, parce que quand l'auteur de ce verset que je viens de lire, originellement c'est David qui a écrit ce verset. Mais ici il est récupéré par le roi Ézéchias. David l'a écrit lorsqu'il pensait justement à sa propre intronisation. Vous savez qu'il y a eu des problèmes dans la famille de David. Il y a eu des problèmes à Absalom, ses fils qui se battaient. Et il y a même Absalom qui a voulu faire un coup d'état pour l'enlever du trône. Mais par la grâce de Dieu, David a retrouvé le trône. Et il a réussi à réunir la totalité de la nation israélienne. Israélite, je devrais dire. Les tribus de l'Est et les tribus du Sud, les tribus du Sud et les tribus du Nord ont été réunies pour prendre part à son intronisation. Et on pense que c'est à cette occasion, c'est inspiré par cet événement qu'il a écrit ce passage pour célébrer l'unité retrouvée dans la famille de Dieu. Ézéchiel reprend le passage plus tard parce que lui-même, il pense justement à l'assemblée qu'il a réussi, au rassemblement de la famille de Dieu, au rassemblement d'Israël qu'il a réussi à réaliser lorsqu'il a décidé pendant son règne, à un moment donné, de célébrer la Pâque ensemble avec tout le peuple d'Israël. La Pâque était un grand événement. Et il a réussi à convoquer toutes les fractions de la famille d'Israël, de la grande famille d'Israël. Et là aussi, il évoque ce passage pour célébrer le bonheur qu'il a, le bonheur qu'il y a de se retrouver, de demeurer ensemble. Mais la question ce matin, c'est, nous aussi, nous sommes réunis ce matin dans la joie. Nous sommes réunis comme une seule personne. Nous sommes réunis pour célébrer Dieu. Nous sommes réunis pour honorer Dieu. La question, c'est, avons-nous véritablement rempli les conditions de cette unité ? Pour que justement notre acte vis-à-vis de Dieu lui soit agréable. Car n'oublions pas les frères que tout ce que nous faisons, tout acte que nous posons est fait pour glorifier le nom de Dieu. La Bible nous dit en Corinthiens 10 au verset 31 que quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi
sœurs, que nous soyons en harmonie avec la parole de Dieu. Cela suppose que notre assemblée plaise à Dieu. Cela suppose que l'unité soit retrouvée en notre sein. La version anglaise du passage que je viens de lire, on dit ah, qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Dans des versions, notamment la version anglaise, dit il est bon pour les enfants de demeurer ensemble dans l'unité. La notion de l'unité est mise en exergue, elle est soulignée, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voyez, c'est lorsqu'il y a unité dans l'assemblée que cette assemblée est à même de réaliser ses ambitions. C'est lorsqu'il y a unité que il est possible à Dieu de bénir cette assemblée et de réaliser les desiderata de l'assemblée. Dans Matthieu 18, verset 19 au verset 20, la Bible nous dit que là où deux sont réunis et qu'ils demandent quelque chose à mon nom, là où deux ou trois sont réunis, eh bien, je serai là. Et demandez-vous, vous recevrez. Donc, mais si vous lisez le passage, précisément, on dit, pour être précis, je lis, je ne veux pas interpréter ni escamoter ce passage. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyez, c'est bien d'être réunis. C'est bien d'être réunis et de danser. Mais pour le moment, il s'agit d'un rassemblement physique. Ce qu'il faut s'assurer qu'il se réalise, c'est le rassemblement des cœurs, le rassemblement spirituel. Parce que dans le passage que je viens de lire, on dit si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose à mon nom. La notion d'accord est extrêmement importante. La puissance de l'accord doit être soulignée. On ne peut réaliser les choses que dans l'accord des cœurs, l'harmonie des cœurs, dans l'unité des cœurs. C'est alors que Dieu peut se manifester. C'est alors que Jésus peut se manifester. Il nous dit dans Matthieu 28, verset 18, au verset 20, il dit, lorsque vous aurez fait ces disciples, etc., baptisés, et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné, alors je serai avec vous. Jésus sera avec nous par l'Esprit, lorsque nous aurons respecté et obéi à sa parole. C'est le même principe qui s'applique à nous ce matin. Nous sommes réunis physiquement, ça c'est évident. Nous sommes certainement réunis dans la joie, ça c'est évident. Sommes-nous réunis dans les cœurs? Avons-nous les mêmes ambitions? Et je voudrais justement lire ce passage de Philippiens. Nous n'avons pas beaucoup de temps, il me reste peut-être 10 minutes. Philippiens 2, versets 1 à 8 dit. D'abord, on peut lire Éphésiens 4, du verset 1 à 3. Éphésiens 4, verset 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douleur et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il est important que
l'assemblée soit caractérisée par l'unité, par l'harmonie des cœurs, par l'unicité de l'ambition. Il est important que cela soit réuni pour que justement Dieu soit présent par son esprit. Philippiens 2, verset 1 à 8, très rapidement je lis. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voyez, la notion d'unité, la notion d'amour est toujours soulignée lorsque le peuple de Dieu est assemblé, et surtout lorsqu'il est rassemblé pour poser un acte qui est censé glorifier Dieu. Ce matin, l'acte que nous allons poser ici est un acte extrêmement important. Nous sommes venus de partout, de toutes les régions d'Abidjan et certainement de la représentation intérieure de notre église. Nous sommes venus prendre part à cet événement extrêmement important qui consiste à parfaire l'organisation de notre église. C'est l'unité. Donc nous sommes venus pour ça. Mais avec quel cœur sommes-nous venus? Avons-nous les mêmes ambitions? Avons-nous les mêmes objectifs? Je vous dis, frères et sœurs, il est possible de réaliser l'unité. Mais cela demande beaucoup d'humilité. Cela demande un sens aigu du sacrifice. Cela demande l'obéissance de la parole de Dieu. Sinon, c'est une perte de temps. Sinon, c'est la porte ouverte pour que le diable se manifeste, entre dans la bergerie et divise le peuple de Dieu. Je voudrais que nos cœurs soient préparés. Préparés pour cet événement que nous allons entreprendre. Préparé aussi pour le repas du Seigneur, parce qu'en fait ce message que je fais, cette exhortation que je fais en ce moment est censée nous conduire au repas du Seigneur. Il est important que nous nous examinions et que nous soyons sûrs que nous sommes ici pour le même objectif. Un seul objectif, lequel? Glorifier le nom de Dieu, c'est tout. Avec tous nos talents, avec notre expérience, avec nos qualités, nous sommes venus pour glorifier le nom de Dieu. Dans le Jacques 4, nous dit au verset 6 que Dieu dit qu'il élève les humbles et qu'il humilie les orgueilleux. Quand on dit que Dieu élève les humbles, on pense que dans l'église, il y a des gens qui sont humbles et il y a des gens qui ne sont pas humbles. Non, Dieu s'adresse à l'église dans sa totalité. Le mot humble, le mot humilité n'existait pas dans la langue grecque et dans la langue latine lorsque, à l'époque de Paul, ça n'existait pas encore. Ce sont les chrétiens qui ont inventé le mot humilité. Ça n'existait pas avant. C'est Paul, certainement, qui a donné une définition à la notion d'humilité. Parce que, tel que c'était défini, l'humilité renvoyait à quelque chose de bizarre, de bas. Quelque chose de bas, d'inacceptable dans une société grecque ou dans la société romaine.
Parce que l'humilité, tant que définie justement par les chrétiens et certainement par Paul, consiste à se faire plus petit, à se faire inférieur aux autres. C'est pas facile l'humilité, mais c'est l'essence de la chrétienté. On ne peut pas être chrétien si on n'est pas humble, c'est impossible. Il y en a qui disent non, je suis chrétien, mais je suis orgueilleux. C'est impossible. Parce que celui que nous cherchons à imiter, ce qui le caractérise, ce qui l'a toujours caractérisé, c'est l'humilité. Le passage que je viens de lire nous dit qu'il s'est fait humble. Il n'a pas réclamé l'égalité avec Dieu alors qu'il avait ce droit. Il a accepté de prendre notre condition humaine, d'être maltraité par nous, d'être humilié, chosifié, d'être crucifié et de mourir de la mort la plus scandaleuse qui existe. L'humilité a caractérisé Jésus-Christ. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, l'humilité doit nous caractériser, alors nous sommes chrétiens, sinon nous ne le sommes pas. Par conséquent, j'espère que dans nos cœurs, au moment du repas du Seigneur et plus tard, pendant l'acte organisationnel que nous allons poser, j'espère que nous ferons preuve d'humilité pour comprendre que nous ne sommes rien. Qui que nous soyons et qui que nous croyons être, nous devons savoir que nous ne sommes rien. Parce que de toute façon, il y a toujours plus puissant que nous. Avant, je croyais que j'étais beau. Et j'avais une go que je courtisais. Je parle quand j'étais petit, hein, 18 ans. Hein. Faut pas dire que voilà, c'est maintenant. Là. 18 ans. Et donc, je croyais que j'étais beau. Et elle m'a dit qu'elle m'aimait, j'étais fier. Je dis, ah oui, mais c'est évident, bien sûr. C'est moi. Et puis, 2 mois après, je suis en voyage, quelqu'un m'appelle pour me dire, hey, Pierre, t'as go là. On dirait sort maintenant à quelqu'un d'autre. Hein. Je dis, quoi? C'est pas possible. Je descends à Abidjan, j'étais à l'intérieur. Je descends à Abidjan, je vais la voir rapidement. Je dis, mais on dit quoi? Elle dit, comme quoi? Je dis, ah, il paraît, on me dit que tu sors à quelqu'un. C'est pas. Elle dit, non, mais écoute, les gens, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je sais que je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je sais que je ne sors pas avec lui. Mais ce qui est certain, je te dis aussi à toi aussi qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. C'est depuis ce jour que j'ai compris que je n'étais pas le plus beau, parce qu'en réalité, celui qui m'a rasé là, quand je l'ai vu moi-même, je dis, ouais, tu as raison. Tu as raison de me raser. Donc, nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit. La meilleure approche, la meilleure attitude pour nous, c'est de comprendre et d'accepter qu'il y a toujours meilleur que nous. C'est de nous considérer comme étant inférieurs aux autres. Alors, nous allons réaliser l'unité. Cette unité va rendre possible la présence de l'Esprit en nous. Et la présence de l'Esprit en nous nous permettra d'être puissants, puissants pour la gloire de Dieu. Merci. Maintenant, nous allons prier pour le repas du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père, toi qui nous permets de t'appeler Père parce que tu es bon, nous ne méritons pas ce statut d'enfant. Nous sommes impropres, objectivement à tes yeux. Mais dans ton grand amour, dans ta grande bonté, dans ta miséricorde, tu nous fais la grâce d'être tes enfants. Et donc, c'est devant ton trône glorieux que nous sommes prosternés ce matin, Papa, pour te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Et pour te remercier de nous associer à ta famille, de nous donner l'opportunité de prendre ce repas que ton Fils Jésus-Christ a institué pour que nous puissions nous souvenir de lui éternellement et rester en communion avec lui. Quel bonheur, quel privilège. Et pourtant, objectivement, nos cœurs ne sont pas prêts. C'est pourquoi je prie, Père,
que par ton esprit, tu nous laves de nos péchés, que tu nettoies nos cœurs et que tu nous rendes dignes à ce repas ce matin. Je prie que tu bénisses le pain que nous allons prendre. Ce pain que nous allons prendre qui symbolise le corps de ton fils Jésus-Christ qui a été détruit sur la croix. Je prie également que tu bénisses ce vin que nous allons prendre et qui symbolise le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix pour que nous, nous puissions avoir une relation, Père, avec toi. Père, tu es bon, tu es merveilleux. Purifie-nous, prends-nous avec toi. Glorifie ton nom dans tous les aspects de notre vie et fais en sorte que nous demeurons ensemble en tant qu'instrument collectif pour la gloire de ton nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Ministère, Jésus-Christ, et arrangement, nos lumières. Et arrangement, Jésus, quoi nos lumières. Et arrangement, et nous dit, Jésus, y arrangement, mon Dieu. Jésus, y arrangement, mon Dieu. Jésus, y arrangement, mon Dieu. Jésus Christ, mais pas déjà, y arrangement, mon Dieu. Dis-lui, où y arrangement. Parce que tu as senti le Seigneur. Mais ton Dieu peut te préparer mon témoignage.
Thank you.